Matanavou. Timothy Matanavou qui a échappé au plaquage. Il va avoir un boulevard qui va s'ouvrir devant lui. Timothy Matanavou, l'inspiration de Michalak qui avait senti le coup. L'accélération de Frédéric Michalak est repris par Florian Fritz. Un bon déblayage, attention sur l'extérieur. Il avait bien senti l'interception. Et Guirardon qui peut alerter. Mathieu Bastaro qui garde ce ballon, qui vient s'empaler sur Doucin, qui le plaque, qui useboard. S'il y a toujours un surnom sur l'extérieur pour les Toulonnais en supériorité numérique, Stéphane Armitage, pour maintenant Tuissova qui échappe au plaquage. Et le jeune Fidjien qui va planter le premier essai de ce match, Joshua Tuissova. Et avec au départ une action en faveur des Toulousains et une interception lumineuse signée Frédéric Michalak. Un point de fixation. On ressort ensuite sur l'extérieur avec Mathieu Bastaro qui va choisir de garder alors que la solution et le jeu étaient sans doute à l'extérieur. Mais après un nouveau point de fixation, on va revoir l'action. Regardez, avec le bon travail au départ de Matanavou, il y a un 2 contre 1. Michalak qui joue et qui sent à merveille l'interception, qui récupère le ballon en deux temps. Point de fixation, libération avec au passage un très bon déblayage signé Eman. Et on aura attendu 22 minutes pour voir le premier essai dans ce Toulon-Toulouse. Michalak, on peut dire que le jeu toulousain, il maîtrise à peu près, donc il avait bien senti la remise de Matanavou. On va essayer ça, de transformer maintenant cet essai du bord de la touche. Coup de pied qui a frôlé le poteau. Elle conteste des Toulonnais. Récupère la du ballon, beau turnover. Attention, il y a de l'espace sur Bastaro avec Fernandez, Lobeka à l'arrange, la passe. Revoici Tuissova, Joshua Tuissova face à Médard. Joshua Tuissova, puissance qui échappe au plaquage, qui s'arrache et qui va marquer un point. Le deuxième essai de ce match, on nous l'annonce comme un phénomène. Joshua Tuissova frappe deux fois cet après-midi à Marseille. Et tout en vitesse et en puissance, alors qu'on a tardé à amener du soutien sur Gaël Ficou, récupération, turnover et tout de suite l'exploitation de l'extérieur avec une passe lumineuse. Regardez le départ de l'action avec le grattage signé Chris Mazoé. Il plaque, il se remet sur les appuis, il relâche Ficou, il récupère le ballon. Et c'est Lobé ici, regardez, qui va avec cette sautée trouver l'espace. On va chercher à glisser, mais la puissance et le raffut de Tuissova qui va battre McAllister et Max Médard vont lui permettre d'aller jusque dans leur but. Il n'est pas marrant, hein, le raffut de Tuissova. Il a à peu près les mêmes bras que ses cuisses. Et on l'avait vu à Bordeaux hein, où il avait là aussi fait le ménage dans la défense adverse. Le premier essai venu d'une interception de Michalak. Le deuxième sur un turnover. La transformation ajustée magistralement